Salut à tous, c'est François. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc des écouteurs de sommeil, les Sleep Buds de chez Bose. Que voilà. J'ai donc eu l'occasion de pouvoir les tester pendant à peu près un mois et demi. Donc, je vais pouvoir partager avec vous donc mon avis personnel. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ces écouteurs sont spécifiquement conçus pour la nuit. Et vous ne pourrez absolument pas écouter de la musique ou votre musique avec. Ils ne sont pas du tout faits pour ça. Alors, ils sont faits d'abord pour vous aider à vous endormir et après, éventuellement, pour vous aider à ne pas vous réveiller par les bruits avoisinants. Les sons qui sont déjà préinstallés donc sur les oreillettes sont au nombre de 10 à la base. Et là, Bose vient de faire une nouvelle mise à jour. Vous en avez 11 supplémentaires, ce qui vous fait un total de 21 sons qui sont directement dans les oreillettes. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir les utiliser sans votre téléphone. Enfin, oui et non. Vous allez avoir besoin de votre téléphone pour choisir le son que vous allez désirer, pour choisir le temps que vous allez vouloir en utilisation, et aussi éventuellement pour programmer un réveil. À savoir que si vous laissez votre téléphone donc dans la cuisine, dans le salon, peu importe, et que vous êtes parti vous coucher avec vos oreillettes, la difficulté va être que si vous avez besoin de baisser ou d'augmenter le son, et ben vous ne pourrez pas le faire. De même que si vous voulez changer de musique, vous n'allez pas pouvoir non plus le faire. Il faudra impérativement retourner à votre smartphone, ce qui n'est pas très pratique. Ces oreillettes, en fait, n'ont pas de bouton. Alors, au niveau des sons maintenant, de ces fameux 21 sons, moi, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est qu'en fait, ce sont ni plus ni moins que des boucles d'environ 10 secondes. Donc, au départ, on s'en rend pas compte, et après, c'est très, très, très désagréable. J'aurais préféré pouvoir avoir un son d'ambiance qui dure plusieurs minutes, un petit peu comme on a dans les thalassos ou quand vous faites un soin du corps, ils vous mettent toujours des petites musiques assez sympas, toutes douces, mais qui durent longtemps. Là, faut se dire que c'est pas du tout le cas, et moi, je dirais que ça, c'est gênant. Au niveau des alarmes et des timers, aucun problème, ça fonctionne parfaitement bien. Vous allez pouvoir programmer ce que vous voulez. Alors au niveau des écouteurs par eux-mêmes, ils sont vraiment très bien conçus. Ils sont vraiment petits, ce qui permet, une fois que vous avez choisi donc les bons manchons en caoutchouc pour mettre dans vos oreilles, donc qu'ils tiennent bien. Ils tiennent vraiment bien à tel point qu'on a même presque des difficultés à les enlever quand on veut les enlever. C'est plutôt un point positif, ça vous permet de bouger dans la nuit sans que vos écouteurs tombent ou bougent. De même que si vous dormez sur le côté, il n'y aura absolument aucun problème. Moi, j'ai pu dormir avec et du coup, la tête posée sur l'oreiller, ça ne pose aucun problème. Vous ne les sentez pas, vous n'avez pas du tout non plus une sensation d'appui sur votre oreille. Vraiment, ils sont hyper bien faits pour ça. Si seulement ils pouvaient nous faire des écouteurs donc audio de cette taille avec la qualité que fait Bose, ce serait vraiment le top du top. Au niveau de l'autonomie, bon, bah, on est à peu près sur 2 nuits. Donc avec une charge, et puis si vous utilisez votre boîtier de recharge, vous avez 2 nuits supplémentaires. Alors maintenant, on va passer à ce que moi j'ai aimé sur ces écouteurs. Alors j'ai déjà aimé la taille des écouteurs qui sont vraiment tout petits. J'ai aimé aussi le boîtier de chargement qui permet de les ranger, de les charger, aussi son faible encombrement. Vous pouvez le mettre dans une poche, vous l'emmener dans une valise ou n'importe où, c'est vraiment pas très gros, quoi. Ensuite, le temps de recharge est assez rapide, environ 3 heures pour charger le boîtier. Ensuite, j'ai aimé le bon maintien dans les oreilles. Ils tiennent vraiment bien. C'est assez agréable. Ils ne vous gênent pas quand vous vous mettez sur le côté et vraiment, vous les sentez pas quand vous dormez. Ensuite, ce qui est sympa aussi, c'est de pouvoir programmer donc le temps d'utilisation ou alors un réveil ou alors un timer. Ça aussi, aucun problème. Ça fonctionne parfaitement bien. Alors maintenant, on va voir ce que j'ai pas aimé, parce que naturellement, il y a des choses que j'ai pas aimé. Donc, alors, j'ai pas aimé le fait de ne pas pouvoir les utiliser sans le smartphone, notamment pour changer de musique ou pour mettre plus ou moins fort. Bah, vous êtes obligé d'avoir votre smartphone et ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, obligé de passer par cette application. Ce qui est dérangeant aussi, c'est le fait de ne pas pouvoir nous-mêmes rajouter des sons. Et je trouve que le catalogue de sons fourni par Bose est vraiment plus que léger. Après, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, le son, toujours pareil. Le fait d'avoir des boucles d'environ 10 secondes, c'est hyper désagréable. Si vous avez l'occasion donc d'en avoir, vous allez voir rapidement que c'est pas agréable.
Voilà, ensuite, dernier point, et pas le moindre quand même. Bon, c'est du buzz, ok, c'est bien fini, ok, mais ça reste quand même, pour moi, ça c'est mon avis propre, très et trop cher pour ne pas rajouter de son. Alors en conclusion, ces oreillettes sont hyper bien faites, sont faites avec des bons matériaux, sont hyper agréables à porter, ne bougent pas. Et en fait, on pourrait pratiquement considérer ça comme une alternative aux boules caisses ou alors aux bouchons anti-bruit. Sauf que là, on rentre dans le high-tech, on a donc un peu de son avec qui vont vous rendre zen et probablement pour certains vous endormir. Par contre, faut pas s'attendre à ce que ce soit des Imovan non plus, hein. Personnellement, ils m'ont pas endormi souvent, mais ils m'ont plus apaisé. Et si vous vous endormez avec, ça va vous boucher quand même pas mal de bruit avoisinant. Ce qui est quand même assez sympa, ça permettra une nuit un peu plus paisible. Alors, ces écouteurs en fait ne sont pas une solution miracle, mais ils peuvent contribuer à un meilleur sommeil ou à un meilleur endormissement pour les personnes qui ont des difficultés de ce côté-là. Donc ça peut certainement aider pas mal de monde. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a un petit peu aiguillé sur votre choix, parce qu'en plus les fêtes approchant, ça peut être une idée de cadeau assez sympa. N'hésitez pas à partager, à liker, à donner votre avis et surtout à vous abonner, ça encourage à continuer toutes les vidéos. Je vous dis à bientôt et passez de bonnes fêtes, c'était François.